Voilà, ça c'est de l'échange. Merci beaucoup. Bonne journée à vous. Sur ce stand, les plantes ne s'achètent pas, elles se troquent. C'est une association de jardiniers amateurs, l'Avenir Horticole, qui est à l'origine de cette idée, née il y a 15 ans. À l'époque, les jardiniers s'échangeaient leurs graines. Désormais, chacun vient ici avec une plante et en repart avec une autre. Les gens sont étonnés de voir qu'on échange les plantes gratuitement, mais nous, on n'est pas du tout des commerçants. C'est un moyen de finalement de recycler, de ne pas jeter. On est dans un monde où on jette beaucoup. Eh bien, pourquoi jeter des plantes lorsque l'on change de saison? Et pourquoi ne pas plutôt les apporter, les échanger et en faire profiter les autres? Plantes d'intérieur, bulbes, arbustes, le stand possède de nombreuses variétés de plantes, ce qui permet aux intéressés de récupérer des spécimens qu'ils n'auraient pas eu l'idée d'acheter en magasin. C'est ça qui est merveilleux, c'est le troc, c'est qu'on échange, c'est que ça part, on sépare la valeur, ça a une grosse valeur, on s'en fiche, on le donne pour une petite valeur, tout, on échange pour les gens qui ont envie de quelque chose. Et ça, c'est très agréable. On a donné des colchiques et puis des goras, et puis on a donné des primes verts, et puis on a donné des framboisiers. Les framboisiers ont toujours beaucoup de succès parce qu'ils sont très bons. Et nous repartons avec alors des géraniums et puis alors des petites plantes vivaces dont je ne sais pas très bien. Ah si, des aubriettes. Et cette année, l'association a décidé d'ouvrir la bourse aux plantes à tous les habitants en quittant son local. Une première pour mieux faire connaître le principe du troc.